fait, on essaie d'abord notre portrait. On prend des bourgs à mon poisson pour les faire étonner. Et qu'on a laissé dans un endroit froid humide. On fait une belle coupe avec un crêpoir bien affûté. La surface plane du crêpoir s'appelle la glace. On va glisser sur la partie du crêpoir qu'on a à conserver. Donc, automatiquement, on a une surface bien plate. Une surface bien plate. On a le bois où circule la sève brute. On a le liber où circule la sève élaborée. Entre les deux, le cambium, la seule zone qui intéresse les crêpoirs. C'est l'endroit où c'est aussi capable de entre le liber et le bois. Les gens pensent que c'est une zone qui est humide et ils pensent que c'est l'endroit où circule la sève. Il n'y a aucune circulation de sève dans cette zone-là. Ça paraît humide parce que c'est des jeunes cellules en été. Et une jeune cellule, c'est riche en eau et ça a une paroi très forte. Sur le porte-greffe, on va faire une incision de telle sorte que les cambiums soient en place. On cherche une zone à peu près plate et on met un nul le cambium. Vous voyez ? Sur le porte-greffe, on va présenter le bois. Le liber coupe, hein. Et entre les deux, le cambium. On les met en contact. Un point de contact de chaque côté, ça suffit. Ah oui. Surtout ah bah pas mettre qui est contre le bois. Je comprends mieux là. Ouais, merci. La pression est importante. Plus la pression est élevée, mieux la reprise est. Donc plus la reprise est bonne. Je m'entends pas défoncer. Voilà, absolument. Et on mastique pour éviter la désertification. Le greffage, c'est une lutte permanente contre la désertification du greffage. C'est pour ça que je récolte mon greffon en janvier. Je laisse un endroit froid et humide, c'est-à-dire 2 degrés à 130 d'humidité. Et au printemps, quand le porte-greffe commence à démarrer, vers le début avril, c'est le moment de greffer les premiers. Et ça marche à tous les coups ? 1% d'échec, c'est beaucoup. Hein ? 1% d'échec, c'est déjà beaucoup. Ah bon ? Ah d'accord. Normalement, c'est 0% d'échec. Pour vous ? Quand vous avez un bon ramon cassé, il est bien mastiqué. Mais c'est une tête qui est fragile avec un an aussi qui a fait la non, 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 c'est la première. C'est des bobards. Ah bon? Pendant 12 ans, j'ai fait des animations au salon d'agriculture et les gens rêvent toujours en France. Ça, c'est la greffe de tous les agriculteurs, c'est la greffe en France. Et quand on parle de greffe anglaise, ça y est, les gens sont perdus, ils sont pas habitués et c'est pas pincé, donc c'est pas solide. Alors que là, ça, c'est dans la tête des gens. C'est pas pincé, c'est pas solide. Alors que là, il y a un chaussure sur tout ça. Oui, oui. Et puis, pas beaucoup de différence entre le diamètre du greffon et le diamètre du porte-greffe. Vers le mois de juillet, c'est soudé. Par rapport à la greffe en couronne, quelle est la différence? La greffe en couronne, c'est pour la peau des gens pas trop doués. Alors, venez mieux pratiquer la greffe en couronne. On va faire une greffe en couronne. Alors, une greffe en couronne, avec des greffons un peu plus petits, et je vais vous faire inventer une nouvelle greffe. Alors, la greffe en couronne dans les bouquins, voilà comment c'est fait. Dans tous les bouquins, un biseau plus un talon. On étale, on est la greffe, et vous allez m'inventer une greffe en direct. Hein. Ça se fait très bien au moment de la végétation. Là, on est en repos végétatif. Oui, oui, on a oui, oui. Oui, d'accord. Ça glisse tout seul. Voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous ligaturez, c'est ça? Oui, mais posez-vous une question. Qu'est-ce que c'est là? C'est quoi? C'est du... C'est quoi? C'est du bois? C'est du liège. C'est mort. Et vous mettez ça sur quoi? Ah oui, d'accord. Sur du vivant. Donc c'est pas bon. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Ah oui. Vous allez inventer une nouvelle greffe. Vous allez me mettre à nu cette zone-là. Ouais, ouais. Il va y avoir une soudure de ce côté-là et de ce côté-là. Oh, tous les bouquins, on fait un petit chien froid, ça sert à rien du tout. Mais ça, c'est bien plus utile. Bien sûr, oui. Et quand vous allez refaire votre greffe, ici, ça va rester vivant. D'accord, tandis que quand on fait une greffe ordinaire, ça se dessèche tout le temps. D'accord. Et dans tous les bouquins, c'est pas marqué, ça. Et parce que le greffage, c'est une transmission orale. Depuis la Renaissance, on transmet des choses comme ça, qui sont des erreurs. Mais ça marche quand même. La cicatrice, c'est pas belle. Mais moi, j'ai un appareil photo. Et je fais des greffes, et au bout de 15 jours, je coupe la greffe. Au bout d'un mois, je fais des coupes, et je regarde. Et je me suis aperçu que là, ici, il va se former un cal à l'extérieur à cause de votre talon. Et ici, ça
assez grosse entre nous, mais là vous allez faire une greffe bien plus belle.